du monde, vis dans les soucis. Non, il y a une croix pour chacun. Il y a une croix pour moi. Je porterai cette croix consacrée jusqu'à ce que la mort m'en libère. Alors ce sera l'enlèvement où j'irai pour porter une couronne. Jésus doit-il porter sa croix tout seul? Thank you.
que la mort m'aime libère. Thank you.
Je vais marcher
sa gloire. Ce soir pour la suite de notre série des réunions spéciales consacrée au réveil. Et chaque jour, nous allons de bénédiction à bénédiction. Il n'y a aucun doute à ce que ce soir encore, nous serons bénis par notre Seigneur. Encore une fois, tout dépend de l'attention que nous donnons au Seigneur. Le Seigneur a quelque chose à nous donner et ce que nous avons à lui donner en retour, c'est notre temps, notre attention. Parce que si nous ne sommes pas attentifs, nous risquons de passer à côté de la bénédiction. Ou en tout cas, nous risquons de passer à côté du mot-clé qui va déclencher la bénédiction. Alors je prie que Dieu nous fasse grâce pour que nous soyons suffisamment concentrés afin de pouvoir bénéficier pleinement de ce que Dieu a prévu pour nous en ce jour. Alors sans tarder, nous allons lire la parole de Dieu, les psaumes, chapitre 32. Psaume 32. Comme hier, pour raison de commodité, question de cadrage de la caméra, je suis dans l'impossibilité de me lever. En fait, je peux me lever, mais vous risquez de manquer ma tête en ce moment-là, et ce ne sera pas agréable. Psaume chapitre 32, et pardonnez. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tu, Miché, qu'ainsi tout ton pieux te prie au temps convenable. Si des grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Tu es un asile pour moi, tu me garantis de la détresse, tu m'entoures des champs de délivrance. Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les bride avec un frein et un mors dont on les part, afin qu'ils ne s'approchent point de toi. Beaucoup de douleurs sont la part du méchant, mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel et soyez dans l'allégresse.
Poussez des cris de joie, vous tous qui êtes droits des cœurs. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont connectés et qui viennent de nous rejoindre. Cette première partie est consacrée à l'adoration, à la prière, afin de préparer nos cœurs à recevoir la parole. La parole sera prêchée encore une fois ce soir par notre pasteur. Et nous bénissons déjà les seigneurs, car nous croyons que ce soir encore, nous serons élevés. Ce soir encore, nous allons nous éloigner du monde et nous approcher davantage du ciel. Amen. Faisons encore ce refrain, ainsi je verrai cette vieille croix, et tout de suite après nous rentrerons en prière. Ainsi j'ai cette vieille croix jusqu'à ce que je dépose mes âmes.
Que toi tu as choisi et nous avons accepté, ô Dieu Tout-Puissant, de te rejoindre, ô Père. Nous pouvons nous estimer heureux, ô Père bien-aimé. Heureux parce que tu as pour nous un plan, ô Père. Le plan de la rédemption pour nous ramener à la maison. C'est même la raison pour laquelle ces réunions ont été organisées, ô Dieu, afin de nous réveiller, nous rappeler qui nous sommes, nous rappeler de quelle famille nous faisons partie, nous rappeler quelles sont nos origines, afin que nous quittions le monde auquel nous sommes attachés, ô Père, alors que notre nature doit être aimantée, Seigneur, vers toi. Notre nature, ô Père bien-aimé, doit être attirée par toi, loin de ce monde, jour après jour, Père. Te remercions donc pour cela, ô Père. Ce soir, nous venons, Père bien-aimé, avec notre esprit, Père, contrit, Père bien-aimé, notre esprit en pleurs, Père bien-aimé, avec le seul désir qui l'anime, celui d'être comme toi, ô Père. Celui de te plaire, ô Père. Celui, ô Dieu, de porter ta marque, Père. De porter ton sceau, ô Seigneur. C'est notre prière ce soir. Nous prions, ô Père bien-aimé, que tu l'agrées. Nous prions, ô Père bien-aimé, que rien ne nous empêche, ô Père, d'être dans la disposition de recevoir ta marque, ô Père, alors qu'elle sera distribuée par la parole qui sera prêchée. Donne-nous l'attitude qu'il faut, Père, afin que ta parole aille droit dans nos cœurs. Donne-nous l'attitude qu'il faut, ô Seigneur, afin que ta parole ne nous échappe pas, Père. C'est notre prière. Bénis notre pasteur qui va prendre la parole ce soir. Parle par lui, Seigneur, et donne-nous d'écouter aussi par lui, Seigneur. Alors que nous sommes réunis, Seigneur, par l'Esprit autour de ton trône, laisse, ô Dieu Tout-Puissant, que le Saint-Esprit nous entoure de son ombre, ô Père, afin de nous séparer, ô Dieu, de l'environnement extérieur, ô Seigneur. Que toute notre âme, tout notre esprit, tout notre corps soit, ô Dieu, consacré à toi en ce moment même. Dans le nom de Jésus, nous prions ainsi. Amen. 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 Nous allons chanter quelques cantiques avant de donner la parole au pasteur. Thank you.
prière pour le service des dîmes et offrandes. Dieu, notre Père Céleste, afin que notre culte soit complet, nous voulons t'apporter à présent nos dîmes et nos offrandes. Nous prions, Dieu Tout-Puissant, que tu poses ta main sur ce que nous t'apporterons et que tu le bénisses. Que tu bénisses également la source des provenances de tout ceci, Seigneur. Bénis également les administrateurs qui ont la charge de payer les charges de l'Église. Puisses-tu, ô Dieu Tout-Puissant, leur accorder la sagesse pour pouvoir mieux gérer les fonds en ce temps difficile. Au nom de Jésus-Christ, amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Saluons tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Dans quelques minutes, nous passerons l'antenne au pasteur pour la prédication de la parole des dieux. Frère René en Allemagne, la sœur Lumumba qui n'a pas WhatsApp, sœur El Galaoui également. La prédication n'est pas réservée qu'à nous. D'ailleurs, elle est davantage réservée à ceux qui ne connaissent pas encore les seigneurs. Donc partageons. Je signale qu'il y a un problème de son, ça sature. Je vais essayer d'intervenir un petit peu. Dans le bonheur ou dans la misère.
De la parole de Dieu. Maintenant, voici la révélation. Jésus-Christ est notre Dieu. Le mystère de la divinité a été dévoilé. Siete.
Si on doit être debout et servir le grand roi, nous le faisons et avec joie. Ce soir encore, nous sommes en train de le faire. Et je crois que le Seigneur nous bénira comme il a déjà commencé à le faire. J'ai une petite chaire de fortune ici. Et ça nous sert quand même à prêcher la parole de Dieu. C'est ça la chose essentielle. Et le reste, le Seigneur en prendra soin. Je vais vous demander de vous lever et nous allons dire un mot de prière avant de prendre le message de ce soir. C'est le roi de rois qui ne change pas l'étoile brillante du matin. Le prince de paix, la vie et la vérité, et je sais que je suis sien. Il est mon sauveur et mon guide, secours dans toutes mes détresses. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. C'est à lui que j'appartiens. Il est mon sauveur et mon guide, secours dans toutes mes détresses.
Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. C'est à lui que j'appartiens. Tendre Père céleste, Père éternel et tout-puissant, nous inclinons nos têtes, ô Dieu, devant ta divine présence. Et nous sommes venus dans ta présence sous le sang qui coule à l'autel de grâce, intercède pour nous en tant qu'enfants de Malachie 4 et croyants aux promesses du jour. Nous t'élevons, nous te louons, nous te magnifions, Seigneur, toi qui en es digne au siècle des siècles et d'éternité en éternité, car tu es le seul véritable. Il n'y a pas eu de Dieu avant toi et il n'y en aura pas après. Tu es Dieu d'éternité en éternité. Sois béni à jamais, l'auteur de la vie éternelle et donateur de tout don excellent. Merci de nous avoir donné le don de la vie, Seigneur, et nous voulons te servir avec. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne tout ce que nous avons fait, toute pensée, toute parole, action, réaction, Seigneur, contraire à ta parole. Ceux qui sont en train d'écouter en ce moment, Seigneur, je demande aussi pour eux, pardonne nos péchés, Seigneur, pardonne nos iniquités. Que rien ne vienne court-circuiter, Seigneur Jésus, ce travail. Laisse que tu puisses réellement toucher nos cœurs, nous réveiller, Père, car l'heure est grave. Bénis, Seigneur, tout ce qui sera fait, descends le faire toi-même, parce que je te laisse la place, afin que tu puisses, comme la mère aigle, nourrir directement les aiglons. Au nom de Jésus-Christ, amen. Amen. Nous allons prendre juste une écriture. Nous allons prendre Apocalypse 9. Apocalypse 9. Et nous lirons le verset 4. Je crois que nous sommes debout là où nous sommes chacun. Et par respect pour la parole, nous allons nous lever. Toujours rester debout et lire étant debout, à moins qu'on ne soit pas en mesure de le faire. Nous lisons. Il leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni aux arbres, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais aux hommes qu'ils n'avaient pas le sceau de Dieu sur leur front. Je répète, il leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni aux arbres, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur leur front. Que le Seigneur ajoute ce bénédiction à la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Je vous salue ce soir au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Comme nous le savons, depuis ce mercredi, nous avons commencé des réunions de réveil et nous avons un grand thème
sur lequel nous sommes en train de parler, c'est le temps et le signe de l'union. Et dans ce thème-là, le prophète nous a montré que nous sommes au temps de l'union et il y a le grand signe de l'union aussi que nous sommes en train de voir sous nos yeux. Et nous avons vu pourquoi ce signe de l'union intéresse Dieu. Parce qu'il est celui qui voit la fin de toute chose avant son commencement. Qu'est-ce qui se cache derrière ces unions? Qu'est-ce que les hommes sont en train de faire, de comploter derrière ces unions? Parce que les hommes de ce monde peuvent voir que c'est innocent, c'est juste des unions comme ça. Il y a des alliances qui se font entre les pays, il y a des unions qui se font, il y a des associations déjà au niveau international, il y a des unions. Vous avez des blocs de ceux qui sont à l'est, ceux qui sont à l'ouest, ceux qui sont en Asie, qui font des blocs, en Afrique, vous allez trouver le pays, de grands lacs qui sont en train de s'unir, ainsi de suite. Il y a toutes sortes d'unions partout dans le monde. D'abord, le pays qui s'unissent, il y a l'ONU, il y a toutes ces choses-là. Et puis, ça descend comme ça au niveau de continent. Et puis, dans le pays, il y a plusieurs associations, il y a des alliances, il y a des syndicats, il y a beaucoup, toutes sortes d'unions qui se font comme ça. Et ça descend jusqu'au plus bas au niveau. Le but de tout ça, Dieu nous a montré que ce n'est pas innocent. L'ennemi est en train de faire quelque chose. Il a un projet, c'est une stratégie. C'est très très bien conçu, très bien étudié. C'est une stratégie. N'oublions pas que à la base de toutes ces choses-là, c'est le diable. C'est le diable à la base de toutes ces choses-là. C'est une stratégie. Vous savez, il est celui qui maîtrise le principe de la vie. C'est une stratégie très bien étudiée afin de faciliter la marque de la bête. Et on a vu cette marque-là. Nous avons vu que quand il y a une question de la parole qui se pose, attention aujourd'hui avec l'Internet pour partager n'importe quelle information. Il y a des informations, non, la marque de la bête, c'est une puce, attention, on va vous mettre une puce, attention à ceci, attention à cela, et les gens sont en train de croire ça, même dans le message. Et c'est un réveil. Je vous ai dit, on réveille une personne qui a le souffle en lui, mais qui est en train de dormir. Dieu nous réveille pour que nous puissions regarder à une chose, à la parole. Il y a plusieurs sons incertains partout, plusieurs sons incertains, mais il n'y a qu'un seul son certain. Ce son certain se trouve dans le message prêché par le prophète William Marion Bwana. Attention aux choses que vous partagez, parce que si vous partagez quelque chose qui ne vient pas de la parole, et quelqu'un s'accroche, et à cause de cela, cette personne est perdue, c'est ta responsabilité, toi qui as partagé cette information-là. Il faut faire très attention. N'entrez pas dans les yeux de tout le monde. Le peuple de Dieu, le prophète nous l'a dit. Vous le savez, depuis tout le temps, ça a toujours été un peuple à part, qui ne fait pas les choses que tout le monde fait, qui ne vit pas, ne parle pas, n'agit pas comme le reste du monde. C'est un peuple à part. Nous n'allons pas rentrer dans le mouvement comme ça, parce que tout le monde est en train de partager n'importe quelle information, vous vous mettez à le faire. Nous avons déjà des informations à partager. C'est le message de l'air.
nous avons le temps de lire ce que le prophète nous a donné. Là-dedans, nous allons découvrir beaucoup de choses et savoir comment nous préparer à rencontrer le Seigneur. Nous ne sommes pas venus dans ce message pour blaguer, comme certaines personnes sont en train de blaguer. Après la connaissance de la vérité, ils croisent les bras, elles croisent les bras, pensant que j'ai pris mon baptême, la chose est réglée. Non, c'est quand tu crois, tu prends ton baptême, que le combat commence. Ce n'est pas un pique-nique, ce n'est pas une partie de pêche ou une partie de chasse qui commence quand tu crois. Non, c'est un combat qui commence, un combat très sérieux, avec un grand combattant qui est Satan, qui connaît les techniques de guerre depuis tout le temps, qui a combattu des rois, qui a combattu les serviteurs de Dieu, des prophètes, des hommes de Dieu. C'est un grand combattant. Et quand tu déclares la guerre à un grand combattant, tu dois avoir des armes affûtées, tu dois être toi-même bien rodé, bien entraîné. Et cet entraînement, nous l'avons dans la parole de Dieu. L'arme que nous avons, c'est la parole de Dieu. L'épée de la parole de Dieu. Et souvenons-nous que la force de l'épée dépend du bras qui tient cette épée-là. Si c'est un bras musculé, et l'épée aura la force pour couper, trancher. Et il faut être bien nourri par la parole de Dieu et tenir l'épée pour ce grand combat que nous livrons contre un ennemi très très fort, mais vaincu. C'est un ennemi vaincu. Parce que notre combat, bien-aimés frères et sœurs, c'est Jésus qui l'a gagné pour nous. Ce n'est pas non plus à cause de cela que nous allons dormir. Il a gagné déjà le combat, mais nous allons combattre dans la victoire. Tu combats, tu sais que j'ai la victoire. Et ma victoire est déjà emportée par mon Seigneur Jésus-Christ. Et nous avons vu que toutes ces choses-là, ces alliances, le but c'est pour faciliter cette chose-là, la marque de la bête. Et hier, nous avons essayé, par la grâce de Dieu, de parler un peu de cette marque-là de la bête. Je vous disais que le prophète a prêché sur ça trois fois, la marque de la bête, si je ne me trompe pas, mais il en a parlé dans plusieurs brochures. Et que si on veut vraiment prendre aujourd'hui là pour prêcher sur la marque de la bête, on ne va pas prêcher une brochure. On doit prendre un enseignement parce qu'il en a parlé et prendre des informations ici, là-bas, mettre tout ensemble pour pouvoir donner un repas beaucoup plus complet. C'est ainsi que je vous disais que si nous voulons vraiment enseigner sur ça, on va aller dans la fin, la dispensation, le commencement et la fin de la dispensation des gentils. On va aller voir le songe de Nebuchadnezzar, parce que dans tout ça, il y a Rome dedans. Nous allons voir dans les sceaux. Nous allons voir ceci et cela, il a parlé et rassemblé tout ça, même les 70 semaines de Daniel, pour donner un repas beaucoup plus complet. Mais ici, hier, on a essayé de donner un petit résumé, juste une idée, une orientation, que le peuple de Dieu sache c'est quoi la marque de la bête. Quand tu l'as, qu'est-ce qui t'attend? Ça vient d'où? Juste la chose essentielle. Et Dieu nous a dit, ça il ne faut pas oublier, que tout se joue à Rome. Et c'est le pape qui est à la commande. C'est lui qui pilote tout avec l'Église catholique, que la Bible a appelée la femme. Cette femme-là, qui est dans cette ville-là, Rome, entourée de cette colline, comme nous le savons, et c'est de là que part la conduite, le commandement du monde entier. À partir de là, les rois du monde, toutes les langues,
toutes les nations, toutes les tribus lui sont assujetties. Et il a reçu ce pouvoir-là du dragon. Du dragon. Et le dragon, c'est le diable, c'est Satan lui-même. Donc vous allez comprendre qu'il s'agit d'un grand mensonge quand on appelle l'Église, les catholiques, Église. C'est un grand mensonge. C'est la plus grande séduction, l'Église catholique. Donc, c'est le plus haut degré du spiritisme de la terre. Il n'y a rien de Dieu dedans. C'est une histoire que le diable a mis sur pied pour combattre le christianisme à l'intérieur, de l'intérieur. Entrer dans le christianisme pour combattre le christianisme de l'intérieur. Parce que, à partir de cette histoire-là, les gens ont appelé le pape le chef de chrétiens, alors qu'il n'a rien à voir avec le chrétien. Il est catholique, il n'est pas chrétien. Donc, le catholicisme, ce n'est pas le christianisme. Et il a reçu son pouvoir de Satan. Jusque-là, Satan lui a donné ses pouvoirs, il est en train de faire jusqu'à ce que l'épouse quittera cette terre. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Satan va s'incarner totalement dans le pape. Et alors, la donne va changer et les choses vont changer sur cette terre. Pour le moment, il reçoit son inspiration du diable, il reçoit la conduite du diable, l'onction du diable, pour pouvoir faire ce qu'il est en train de faire là. Donc, nous avons essayé d'expliquer comme on le pouvait hier. Je crois que vous pouvez lire vous-même le prophète. Aujourd'hui, nous avons les brochures nous-mêmes dans nos mains. Nous pouvons lire et comprendre beaucoup de choses que le prophète enseigne. Donc, n'allez pas croire que la marque de la bête, c'est un chiffre que vous verrez ou un nombre que vous verrez sur le front de quelqu'un ou sur le bras de quelqu'un, un tatouage, tout ça. Je vous ai dit qu'il y a des gens qui ont peur aujourd'hui. Tu as le numéro de téléphone avec 666, tu as peur. Ou si c'est la plaque d'immatriculation, ou de non, non, ça n'a rien à voir avec ça. Donc, il y a certaines déclarations, le prophète dit, la tête... il s'agit de la doctrine. Attention à la doctrine que vous croyez. Et sur la main, la main, ce sont des œuvres. Attention aux œuvres que vous manifestez. N'allez pas manifester des œuvres provenant de l'inspiration du diable. Le diable est dans le système de ce monde qui favorise la marque de la bête. Le diable est aussi dans le système religieux. Et le prophète nous a montré hier que le système dénominationnel, c'est la marque de la bête. Attention à ce système-là. Ceux qui disent, non frère, après c'est Dieu, attention, attention. Quand c'est un système qui est la marque de la bête, attention à tout ce qu'ils font. Leur cantique, leur pratique, leur façon d'agir, de réagir, tout ce qu'ils font là, c'est inspiré par la bête. Mais comme la bête est un séducteur, pour pouvoir séduire les gens, il prend le nom de Jésus, il prend la Bible, il prend les choses de la parole de Dieu, parce que les deux esprits nous ont dit la parole de Dieu. Ça doit être tellement semblable. C'est pour séduire. Il faut faire très attention. Les prophètes nous ont dit que la séduction aujourd'hui, c'est que le diable est venu au nom de l'Église. Il faut faire attention. Il est venu au nom de l'Église, mais c'est le diable. Et voilà pourquoi nous sommes dans la réunion de réveil. C'est pour nous réveiller que nous ne puissions pas avaler n'importe quoi, que nous ne puissions pas soutenir n'importe quoi, prendre n'importe quoi, marcher avec n'importe quoi. Et il y a une écriture particulièrement que nous avons lu hier, le prophète nous a dit, attention, nous avons lu, il dit que la marque de la bête, c'est la marque de l'apostasie. Et l'apostasie, les gens qui rejettent la parole de Dieu. Et je vous ai toujours dit, bien-aimés frères et sœurs, que le message que nous avons reçu là,
Il n'y a pas de contradiction. Il n'y a pas des écritures qui combattent d'autres écritures dans le message. Non. C'est pourquoi la guerre des écritures ne vient que du diable. Il n'y a pas des écritures qui combattent d'autres écritures dans le message prêché par les prophètes. Donc, si nous lisons les écritures et on ne comprend pas, ça semble être contradictoire, il y a une chose à faire, c'est quoi ? Nous agenouiller et prier et mettre ça de côté au temps de Dieu. Dieu lui-même révélera la vérité sur ces écritures-là. C'est un conseil qui vient de la parole de Dieu. Et je crois que si on avait pris ce conseil-là, il n'y aurait pas tant de divisions parmi nous aujourd'hui. Parce que ces divisions viennent pour la plupart à cela. Moi, je crois ça, moi, je crois ça. Les gens se divisent. Non, nous sommes tous dans le message. Si tu as trouvé, et ça ne semble pas être compatible, mettons-nous ensemble, prions, au moins sur ce que nous sommes d'accord, avançons. Et les choses marcheraient comme il faut, il n'y aurait pas tout ce que nous avons aujourd'hui. Et attention au rejet de la parole. Et l'oubli pour Dieu, c'est le rejet. Et quand tu rejettes la parole de Dieu, tu reçois cette marque-là. Ce qui est grave encore, que nous avons lu dans les Écritures hier, c'est que beaucoup ont cette marque de la bête déjà sans le savoir. C'est ça qui est grave. Recevoir cette marque-là sans le savoir. Parce qu'on a rejeté la parole de Dieu. Parce qu'on est rebelle à la parole de Dieu. Parce qu'on est têtu quand Dieu parle. On reçoit cette marque. Il n'y a pas une cloche qui va sonner. Il n'y aura pas une trompette qui va sonner. Mais tu es scellé pour la perdition. C'est une marque de perdition. Une marque qui sépare l'homme de Dieu pour l'éternité. Et certaines écritures encore hier montraient que quand un homme reçoit cette marque-là, il n'y a pas de pardon. Pardon pour cette personne-là, c'est fini. Sa vie est scellée pour la perdition. Il faut faire attention. Quand tu écoutes la parole de Dieu, on te cite la parole de Dieu. Quand tu deviens rebelle, tu commences à t'opposer à la parole. Tu cherches à discuter avec la parole de Dieu. Attention, peut-être qu'il y a déjà une mauvaise semence qui est entrée en toi. Quand Dieu parle, on s'était. Le lion rugit. C'est le silence. Voilà ce que Dieu nous a dit. Il faut faire très attention, bien-aimés frères et sœurs. Donc, je reviens sur ça. C'est mon travail. Je n'ai pas besoin de courir. J'ai besoin qu'un enfant de Dieu s'élève avec la révélation dans son cœur et comprenne le danger qu'il y a pour éviter de poser son pied là où il ne faut pas et prendre conscience de la chose et savoir comment avancer demain. Savoir comment avancer désormais. C'est le but pour lequel nous travaillons. Ce n'est pas pour aller vite et donner plein de choses, parfois que les gens ne comprennent pas et ne reçoivent pas. Donc, nous insistons sur ces choses, bien-aimés frères et sœurs, que vous puissiez comprendre que rejeter la parole, c'est très, très dangereux pour quelqu'un. Si tu as rejeté la parole dans ta vie, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Dieu te demande, n'oublie pas, le sang de Jésus. J'ai l'écriture, je l'ai oublié. Je crois que je dois l'avoir. Excusez-moi si je peux trouver ça rapidement pour vous.
Excusez-moi. Le prophète de Dieu dit ceci. Est-ce que la dispensation de la grâce sera terminée après que vous aurez ouvert le septième sceau? C'est dans le message questions et réponses sur les sceaux, le 24 mars 1963. Je suis au paragraphe 42. Est-ce que la dispensation de la grâce sera terminée après que vous aurez ouvert le septième sceau? Frère Branham répond, j'espère que non. 349, j'espère que non. Non. Mes amis, ne vous mettez pas ça dans la tête, là où vous voyez, et là, ne vous mettez pas ça dans la tête. Là, vous voyez, continuez simplement, attachez vos patates et allez à l'église et continuez. Si c'est pour demain matin qu'on vous trouve en train de faire exactement ce que vous êtes censé faire, ne commencez pas. Trois points de suspension, 350. Vous voyez, quand vous faites ça, vous détournez la chose du but recherché. Vous formez de petites opinions particulières et vous formez votre propre idée sur les choses. Ne prenez pas votre propre idée. Simplement, quand vous êtes assis à écouter des choses comme ça, dites « Merci Seigneur, je vais simplement marcher un peu plus près de toi. » Vous voyez, je vais marcher. Ne quittez pas votre emploi et dire, je vais tout vendre. Ne quittez pas votre emploi et dire, je vais tout vendre. Vous voyez, n'est-ce pas? Donc, la dispensation de la grâce ne sera pas terminée après que les sceaux soient ouverts. Or, les sceaux sont ouverts, la dispensation de la grâce n'est pas terminée. Donc, la grâce coule encore. Si vous vous retrouvez, après avoir médité, parce que quand la parole sort, un enfant de Dieu, qu'est-ce qu'il fait? La parole ne sort pas pour que les gens sautent dans tous les sens et courent. C'est bien de soutenir la parole. Frère Branham dit, dites amen quand la parole de Dieu sort, dites alléluia, merci Seigneur. C'est bien de soutenir la parole, mais entre-temps, méditez. La parole sort dans un but. La parole sort pour nous montrer nos erreurs. La parole sort pour nous montrer là où nous avons failli. La parole sort pour nous parler, nous préparer à quelque chose. Nous donner des instructions pour l'avenir. Qu'est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce que nous devons éviter dans notre vie? C'est très très important. Alors quand Dieu parle comme ça, qu'est-ce que tu fais? Tu soutiens sa part. Un amen, alléluia. Après, tu médites sur ce que Dieu t'a dit. Si tu te retrouves, j'avais rejeté la parole, je combattais la parole, je suis allé en guerre contre la parole, quelque part, qu'est-ce que tu vas faire? La dispensation de la grâce continue. C'est ce que le prophète vient de nous dire. Alors, va à genoux. Implore la grâce de Dieu. Pleure devant Dieu, crie devant Dieu, implore sa miséricorde. Je crois que sa colère dure un temps et sa miséricorde durera toujours. Et promets-lui de ne plus jamais t'opposer à la parole, ni aller en guerre contre la parole. Je crois que le Seigneur est le Dieu qui pardonne. Il pourra t'accorder la grâce. Pour le reste, c'est entre vous et lui. Mais ça, c'est la chose à faire.
Quand Dieu te montre là où tu as failli, tombe face contre terre, à genoux, pleure devant Dieu, sollicite sa miséricorde. Ne crois pas que tu es perdu, tu as la marque de la bête. Je vous ai dit en commençant, en débutant, que l'enfer a été créé pour le diable et ses anges. Toi, tu n'es pas le diable, tu n'es pas l'ange du diable, l'enfer n'a pas été créé pour toi. Tu as commis une erreur. Frère Branham dit, quand je vais avancer, là je vais le montrer, il dit que même les enfants de Dieu, ils ont des hauts et des bas. Ils peuvent tomber, ils peuvent commettre les erreurs. Les enfants de Dieu, remplis de l'Esprit de Dieu, mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se repentir, Dieu va pardonner, continuer le chemin. Mais quand tu commences à faire des choses exprès, c'est la preuve que dans ton cœur, il n'y a pas l'Esprit de Dieu, la sémence de Dieu. Là, il y a une autre sémence qui te pousse à faire des choses exprès. On peut trébucher et tomber. Je ne vois pas une personne qui est en train de marcher comme ça normalement et puis il voit une pierre devant lui, il donne un coup de force pour tomber par terre. Je ne vois pas une personne le faire. Mais quand on dit qu'on a trébuché, on est... Donc c'est quelqu'un qui marche, il est un peu distrait et puis il cogne une pierre, il tombe. C'est comme ça que parfois ça peut arriver aux enfants de Dieu. En train de marcher, il est distrait, pris par une distraction, par quelque chose, il va trébucher et tomber, mais vite se relever, en se repentant et continuer. Pas vouloir faire un programme, continuer. Non, là, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est anormal. Mais si tu viens exprès pour cogner dans une pierre et tomber, là, il ne s'agit pas de trébucher et de tomber. Là, c'est tu es en train de faire des choses exprès. N'oubliez pas, qui ont écouté cet évangile, quand vous faites des choses comme cela, il faut faire très attention avec. Donc, faites attention, bien-aimés frères et sœurs, à cette marque-là. C'est la marque de l'apostasie, le rejet de la parole, le système dénominationnel et tout ça. Dieu nous a montré que la marque-là, elle est religieuse. Donc, attention, attention. Je crois qu'on a parlé de cela. Je voulais résumer. Nous avons compris ce qu'il y a dans les unions que nous avons sur cette terre. N'adhérez pas à n'importe quelle union, quelle association. Faites attention. Il faut faire très attention. N'adhérez pas à n'importe quoi. Dans le temps où nous vivons, tu vas prendre une carte, n'importe quelle carte, d'une association, d'une coopérative, d'un syndicat, d'un parti politique. Il faut faire très attention. Maintenant, en parlant hier comme cela, en lisant bien sûr la marque de la bête, nous sommes tombés sur une citation où Frère Branham nous dit que nous sommes dans le temps où les sujets appréciés aujourd'hui, c'est la marque de la bête et le sceau de Dieu. Frères et sœurs, on peut connaître tout ce qu'on connaît, tout ça, expliquer ça, démontrer comme on veut, mais attention, il y a deux choses qui sont en train de se passer. Le diable est en train de sceller ses enfants. Comme nous avons vu dans l'Ancien Testament, là, quand l'année du jubilé arrivait, qu'est-ce qui s'est passé? La personne qui était esclave et qui refusait d'être libre, elle donnait des excuses alors que le temps était arrivé pour sa liberté, pour retourner dans sa famille, récupérer sa propriété, vivre la vie de liberté comme tout le monde. Mais cette personne-là trouvait des excuses pour dire non, à cause d'une raison ou d'une autre, moi je ne peux pas partir. Et elle restait. Qu'est-ce qui s'est passé, bien-aimés frères et sœurs? Nous l'avons lu hier.
Frère Branham dit, la Bible dit, on prenait cette personne, ah bon, tu ne veux pas être libre. Oui, malgré que la trompette du jubilé a sonné. Tu veux rester, non, moi, à cause de telle raison, ok. On a amené cette personne dans le temple. Pas en dehors du temple, dans le temple. Il y a une colonne, on prend son oreille, on pose sur la colonne et on poinçonne cette oreille-là, elle est trouée. Donc, il y a une marque qui montre que cette personne, malgré les jubilés qui viendront dans l'avenir, cette personne est marquée à vie. Il n'y aura pas de pardon pour elle, pas de liberté pour elle. Elle va rester esclave tout le reste de sa vie sur cette terre. Voilà ce qui s'est passé. C'est la même chose qui se passe aujourd'hui encore avec nous. Avec les gens qui présentent, Frère Branham a bien souligné que la personne présente des excuses. Avec des gens qui présentent des excuses pour vivre la, quand il s'agit de vivre la parole de Dieu. Ils présentent des excuses. Non, frère, il faut comprendre, moi c'est pour le travail, je mets le pantalon, c'est pour le travail. Présente des excuses. Non, il faut comprendre, ici c'est... Présente des excuses. Quand Dieu a donné la parole, le message par le prophète, il n'y avait pas le message pour l'Amérique, pour l'Afrique, pour l'Asie. Le message reste le message. Non, ça, ce sont des réalités de l'Europe. Il y a des réalités de l'Europe où, si tu veux vivre en Europe, il faut mentir. Si tu veux vivre en Europe, il faut faire ceci, il faut faire cela. Frères et sœurs, n'oublions pas, n'oublions jamais qu'il y avait des réalités à Babylone. À Babylone, il y avait des réalités. Il fallait que tout le monde s'agenouille devant la statue. C'était des réalités à Babylone. Tout le monde était obligé de s'agenouiller. Mais nous avons le témoignage sous le sang de bêtes, de véritables croyants qui ne se sont pas soumis aux réalités de Babylone, qui sont restés fidèles à leur Dieu étant à Babylone. Malgré qu'on leur a présenté la mort, ils ont dit, on ne va pas trahir notre Dieu à cause de Babylone. Ils ont accepté la mort. Nous avons Shadrach, Meshach, Abednego. Nous parlons tous de Shadrach, Meshach, mais ils étaient dans la condition comme nous ici en Europe, comme vous là-bas aux États-Unis, comme vous là-bas en Australie. C'était dur. Ce n'était pas facile pour eux, bien-aimés frères et sœurs. Aujourd'hui, il y a quand même les droits de l'homme. Dans cette époque-là, vous vous souvenez que c'était grave. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Shadrach, Meshach, Abednego ont dit que nous, on ne va pas le faire. Si c'est pour nous tuer, nous acceptons la mort. Daniel a dit qu'on ne va pas le faire. Malgré les réalités, malgré qu'on leur a présenté la mort, ils ont dit qu'on ne le fera pas. On ne va pas trahir notre Dieu à cause des réalités de Babylone. Mais vous, qu'est-ce que vous avez fait ici en Europe, là-bas aux États-Unis, là-bas au Canada et ailleurs, à cause des réalités de l'endroit où vous vivez, vous avez trahi le message. Vous avez trahi le prophète William Marion Branham. Vous avez trahi le Seigneur Jésus-Christ à cause de réalités. Mon frère, ma soeur, il n'est pas tard. Revenez à Jésus. Repentez-vous sincèrement. Faites une promesse à Dieu. Dieu va faire quelque chose. Évitez cette marque de l'apostasie, cette marque de la perdition. Souvenez-vous, hier Dieu nous a dit que quand un homme reçoit cette marque, il devient vagabond. Caïn a reçu cette marque au jardin d'Eden. Caïn est devenu vagabond. Ne le touchez pas, ne le tuez même pas à cause de cette marque-là. Il devient vagabond. Ça devient un fugitif. Ça devient un homme instable.
Attention, quand cette marque, peut-être que cette marque est déjà là. C'est ça qui te rend instable, tu ne sais pas. Mais toi, crois que tu es un fils de Dieu. Vous savez, toute l'expérience chrétienne repose sur la foi. C'est à toi de croire. Malgré la dureté qui sort de la parole, crois que tu es un fils de Dieu et prends la décision de te soumettre à la parole, de ne plus jamais faire la même chose. Ceux qui ont agi comme cela, ils ont été poinçonnés et ils ont eu cette marque-là de Satan pour dire qu'ils restent esclaves à vie. Et quand tu présentes toujours des excuses pour ne pas vivre la parole de Dieu, tu finiras par être poinçonné et rester esclave du diable à vie, esclave du péché à vie. Et comment contourner la marque de la bête? Que faire pour ne pas recevoir la marque de la bête? Alors que Dieu nous dit qu'il n'y a que deux sujets aujourd'hui. Bien, mes frères et sœurs, Branham répond à cette question. Il dit, la seule façon d'éviter la marque de la bête dans votre vie, c'est de recevoir le sceau de Dieu. Il n'y a pas une autre façon. La seule façon d'éviter de recevoir la marque de la bête dans votre vie, c'est de recevoir le sceau de Dieu. Vous comprenez que la marque de la bête montre l'origine de la personne. Et cette personne vient du diable et elle doit retourner au diable. Le sceau de Dieu va aussi montrer l'origine, que cette personne vient de Dieu et elle est en train de retourner à Dieu. Et un sceau, nous dit la parole de Dieu, parce qu'aujourd'hui nous parlons du sceau de Dieu. C'est le sceau de l'alliance, le sceau de la circoncision. C'est de cela que nous allons parler dans les quelques minutes qui arrivent. Juste l'essentiel pour que cela reste dans votre cœur. Souvenons-nous de ceci. Quand Dieu a fait la promesse à Abraham, suivons ça très bien. Je vais lire ça rapidement. C'est dans le message, c'est dans les questions et réponses sur le Saint-Esprit du 16-12-59. Je commence au paragraphe 28. Le prophète de Dieu dit ceci. En effet, Dieu a conclu une alliance avec Abraham après l'avoir appelé, ce qui est un type de l'appel du croyant aujourd'hui. Je m'arrête là. Pour dire ceci, de la même façon, Dieu a appelé Abraham, ainsi Dieu t'appelle ou t'a appelé toi, ainsi Dieu m'a appelé aussi, ainsi Dieu appelle le croyant aujourd'hui. C'est de la même manière. Donc, ce qui s'est passé avec Abraham dans la Bible préfigurait ce que nous vivons aujourd'hui dans la réalité. Là, c'était une ombre. La vérité, la réalité est ici maintenant. C'est pourquoi Paul a dit, ce que Dieu a connu d'avance, il les a appelés. Donc, ça commence par d'abord la préconnaissance de Dieu. Et puis, au temps marqué par Dieu, connu par Dieu lui-même, il appelle comme il a appelé Abraham. Retenons ça. D'abord, l'appel. Ensuite, il a appelé Abraham. Et Abraham a quitté son pays pour aller dans un pays étranger et habiter parmi les étrangers. Dieu appelle. Abraham a accepté d'abord cet appel-là. Entendre, reconnaître, accepter, agir sur base de la parole de Dieu. Et c'était un type de quand Dieu appelle un homme,
Écoutez-moi très bien. Abraham devait quitter son pays pour aller dans un pays qu'il ne connaissait même pas, qu'il n'avait jamais connu. Mais il a cru. Il a fait confiance à Dieu. Et il a dit oui. Il est sorti. Comme nous chantons toujours, j'ai dit oui, oui, oui. J'ai dit oui, Seigneur. J'ai dit oui, Seigneur. J'ai dit oui, oui, oui. Ce n'est pas seulement des chants. C'est comme ça. Comme Marie a dit, je suis une servante inutile. Qu'il me soit fait selon ta volonté. C'est comme ça quand l'appel de Dieu vient à un homme. Il dit oui, sans trop savoir ce qui va suivre. J'ai dit oui, Seigneur. Je m'apprête à te suivre, à suivre ta voix, la voix qui m'appelle. Et il dit, Abraham a accepté. Il dit, c'est comme ça. Quand Dieu appelle un homme à arrêter sa méchanceté, regardez, quand Dieu appelle quelqu'un à sortir, arrêter sa méchanceté, dans la méchanceté, retenez qu'il s'agit de la mauvaise vie. Quand on est dans le monde, il n'y a pas que la méchanceté, il y a tout ce qui va avec. Il y a tout un cortège qui marche avec la méchanceté. Il y a toute une suite qui marche avec la méchanceté. Dieu t'appelle, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dis oui. Et tu es obligé de faire quoi? D'arrêter tout ce que tu faisais quand tu étais dans le monde. La chose qui suit, c'est quoi? Il dit, arrêter la méchanceté à se repentir de son péché. Frères et sœurs, il y a des gens qui sont venus à ce message, qui sont dans ce message jusqu'à ce soir, qui ne se sont jamais repentis de la vie qu'ils ont menée dans le monde. Il y en a 20 ans dans le message, 30 ans dans le message, ils ne se sont jamais repentis de la vie qu'ils ont vécue au monde. Jamais. Il y a quelque chose qui n'a pas marché normalement dans ton expérience. Tu as été mal conduit au départ. Même Pierre, Frère Branham dit, Pierre a écrit une ordonnance qui restera perpétuelle, que personne ne changera jamais. Homme, frère, que ferons-nous? Pierre commence par « Repentez-vous ». Il n'y a pas une autre voie. Ma sœur, même si tu as déjà pris le baptême, quelles que soient les années que tu as fait dans la parole, si tu ne t'es jamais repenti, tu n'as jamais regretté cette mauvaise vie que tu as vécue dans le monde, larmes aux yeux, un cœur qui souffre, comment j'ai vécu une vie comme ça? La femme est née pour un seul homme. Toute femme qui vient au monde est née pour un seul homme. Parce que la femme, c'est la côte d'un homme. Mais tu as été touché par combien d'hommes? Même si tu n'es pas encore marié, cette chose, tu dois la mettre en ordre avec Dieu. Si tu es marié, Frère Branham dit, tu dois mettre la chose en ordre. 10 ans après, si la chose n'a pas été mise en ordre, conformément à l'enseignement du message de ce jour, et que l'homme découvre ça, il est en droit de te dire, non, c'est fini, il n'y a plus de mariage. La repentance, quand Dieu appelle, c'est ça qui a bloqué beaucoup de gens. Aujourd'hui, ils sont dans le message. Le diable leur dit même que le message n'est pas vrai. Souvenons-nous de ce que Dieu nous a dit hier.
Il nous a dit hier, je crois, ou avant-hier, que la technique du diable, c'est quoi? Faire tout pour rendre la parole de Dieu inefficace. Rendre la parole de Dieu sans effet. C'est comme ça que beaucoup de gens aujourd'hui, ils se disent, mais on ne comprend pas comment nous prions. Les choses ne marchent pas. La parole de Dieu est devenue inefficace, sans effet. Elle ne produit pas des effets qu'il faut. On n'a pas de résultats escomptés. Pourquoi? Parce qu'on a mal commencé quelque part. Branham nous a dit, attention, si vous avez une arme et que vous visez une cible quelque part, vous bougez un peu, vous n'atteindrez jamais votre cible. Quelle que soit la bonne volonté que vous avez dans votre cœur, parce que vous avez bougé l'arme, vous n'atteindrez jamais votre cible. Vous êtes obligé de remettre l'arme sur la cible et tirer pour pouvoir l'atteindre. C'est comme ça. Quand vous commencez mal une expérience, vous n'arriverez jamais au résultat escompté. Et beaucoup sont dans cet état-là. C'est comme ça qu'ils se sont retrouvés dans le formalisme religieux. La parole n'a plus d'effet dans leur vie. Il n'y a aucun impact de la parole dans leur vie. La nature est restée la même nature. Les sauts d'humeur, les états d'âme, le même comportement, même pensée, même projet que quand il était dans le monde. Mal commencé. Quand Dieu appelle quelqu'un, nous dit le prophète, il doit arrêter la mauvaise vie qu'il avait, se repentir d'abord, avant de faire un autre pas. Il dit ceci, il doit se repentir de son péché. Le péché, c'est l'incrédulité. Il doit se repentir de son incrédulité qui l'a poussé à vivre la vie qu'il a vécue tout le temps qu'il était dans le monde. C'est parce qu'il était incrédule à la parole qu'il a vécu dans la prostitution, qu'il a vécu dans la fornication, qu'il a vécu dans cette mauvaise vie-là. Avec des excuses tout le temps. Et il se retrouve même dans la parole, après avoir pris son baptême, avec les excuses toujours. Que Dieu traite aujourd'hui le cas de chrétien au cas par cas. C'est ce que vous voulez maintenant. Que Dieu traite maintenant au cas par cas. Je dis, toi, je comprends ton cas parce que tu étais infirmière. Tu étais obligé de mettre le pantalon. Ok, je comprends, au cas par cas. Toi, je comprends ta situation parce que tu n'avais pas faim. Tu avais plutôt faim. Et tu pouvais te prostituer pour avoir l'argent, avoir à manger. Toi, je comprends ta situation. Comme tu n'avais pas de travail, il fallait voler au supermarché. Que Dieu fasse ça. Quel Dieu ? Quel Dieu vous voulez amener aujourd'hui dans la parole qui va se mettre à traiter le cas de chacun au cas par cas ou selon la géopolitique ou selon l'endroit où la personne a vécu? Ah, vous étiez en Afrique. Ok, je comprends votre situation. Non! Dieu va rester, Frère Branham dit, il va rester avec sa parole. Frères et sœurs, ne l'oubliez pas. Quel que soit ce qu'un pasteur te dira, quel que soit ce qu'un homme te dira, sachez-le ce soir, Dieu va rester intransigeant avec sa parole. Pas de concession. Quand Dieu appelle, tu dois tout arrêter. Il dit, te repentir de ton péché, de ton incrédulité. Il dit, alors, la suite c'est quoi? Suivez-moi. S'éloigner du groupe dont il faisait partie pour vivre dans un nouveau groupe, parmi un nouveau genre de personnes. Qu'est-ce que le Saint-Esprit, paragraphe 28?
Voilà ce qui se passe quand Dieu appelle un homme. Tout ça, c'est dans un but. Nous sommes en train d'avancer. Tout ça, c'est dans un but. Parce que Dieu t'appelle pour un but. Tu dois arrêter la vie que tu vivais dans le monde, c'est pour un but. Tu dois te repentir, c'est pour un but. La suite, c'est quoi? T'éloigner du groupe auquel tu faisais partie pour aller vivre avec un nouveau groupe, un nouveau genre de personne. Voilà ce que le prophète de Dieu nous dit. Il dit, et puis, après que Dieu a trouvé Abraham fidèle à la promesse que Dieu lui a donnée, c'est la chose, frères et sœurs. Quoi? Il a appelé Abraham à abandonner sa famille, abandonner tout ça. D'abord, Abraham a commis l'erreur. Il a amené son vieux père. Il a amené Lot. Tout ça, ce n'était pas dans le plan de Dieu. Et Dieu l'a observé jusqu'à ce que Dieu a trouvé qu'Abraham est devenu fidèle à la promesse qu'il lui avait donnée, selon laquelle il aurait un enfant et à travers cet enfant, toute la terre serait bénie. Alors, frère, remarquez une chose. Quand Dieu a trouvé que Abraham était fidèle à la promesse, c'est-à-dire Abraham est resté accroché à ce que Dieu lui a dit. Les hommes du monde pouvaient parler parce qu'il était avancé en âge. La médecine pouvait prouver que c'est impossible. À cause de son âge, l'âge de sa femme, on pouvait lui prouver noir sur blanc que la chose dont il parlait là, c'était un rêve. Ça ne pouvait pas se réaliser, c'est impossible. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Abraham a eu un combat, comme tu l'as aussi, comme je l'ai aussi. Mais qu'est-ce qu'Abraham a fait? Malgré le combat, malgré le son incertain qu'il écoutait, le son de la médecine, le son de sa famille, le son de ce monde, de la politique, mais il est resté avec le son certain. C'était le son de la promesse. Le son venant de Dieu. L'unique son certain. Qu'est-ce que toi, Dieu, tu as dit? Abraham, tu auras cet enfant-là. C'était suffisant pour Abraham. Malgré tous les sons, malgré tout ce que le monde disait, frère, c'est impossible. Frère, tu ne sauras pas. Sœur, c'est impossible. Quand même, tu dois t'embellir un peu, mettre un peu de poudre. Aujourd'hui, ce qu'on avait laissé dans le monde, les sœurs sont retournées à ça. Les frères aussi. Les sœurs commencent à se maquiller. Ils appellent ça maquillage léger. Les sœurs commencent à mettre des vernis à ongles neutres que tout le monde ne peut pas voir. Tu penses que ce sont ses ongles, mais il y a le vernis neutre là-bas. Les sœurs commencent à mettre des bijoux. Elles ont donné la citation. Non, si l'homme peut t'offrir, sœur, tu vas me dire que c'est ton mari qui t'a offert ce que tu as dans le cou, ou c'est toi-même qui es allé acheter. Et j'aimerais voir un homme baptisé du Saint-Esprit le faire. Mais toi, jeune fille, quel mari t'a offert ce que tu as dans le cou? Peut-être un mari de nuit. Nous portons une alliance en signe de vœu que nous avons. Mais les deux alliances que tu les portes pourquoi? Je mets une montre parce que je dois regarder l'heure. Mais toi, la gourmette que tu as, tu l'as mise pour quelle raison? Voilà les choses qui sont en train de rentrer
petit à petit dans le message. La mondanité est en train de rentrer dans ta maison. Tu es là comme quelqu'un hypnotisé par un serpent. Justement, c'est un serpent, le diable, le serpent ancien. T'as hypnotisé. La femme est en train d'aller dans le monde. Ta femme est en train d'aller dans la mort. Et tes enfants, mais tu es là hypnotisé par le serpent ancien, le diable. Incapable de t'élever contre ça. Cher pasteur, la mondanité est en train de rentrer dans ton église. Tu es incapable de t'élever contre ça. Il y a quelque chose qui ne va pas avec toi. Si tu peux rester à l'église même avec une personne, fais-le. Que ce message devienne une condamnation pour toi aussi. Fais-le. Lève-toi comme un homme sincère avec une épée aiguisée. On a lu la citation ici le dimanche, si je ne me trompe pas, quand le prophète parlait des images de Christ. Il a dit qu'on doit prendre le marteau de l'évangile pour frapper l'or avec. Toi, ton évangile, c'est un marteau ou c'est une brosse? Ou un peigne? L'évangile que tu prêches, c'est un peigne pour peigner dans le sens de poil, ou c'est un marteau qui frappe dur? Repends-toi aussi. Relève-toi. Il n'est pas trop tard. On peut corriger, on peut redresser. Tout ce qu'on peut redresser et corriger, tant que nous avons encore le souffle, tant que nous avons encore le temps. Parce que Dieu vient de nous dire là que c'est encore la grâce. La grâce n'est pas encore terminée. C'est ce que le prophète vient de dire là. Frères et sœurs, voilà, les choses sont en train de rentrer. Frère Branham nous a dit ceci, bien aimés frères et sœurs. Frère Branham dit, un homme qui laisse sa femme faire tout ce qu'elle veut, cet homme n'aime pas sa femme. Si tu aimes ta femme, tu dois être derrière. Toujours derrière. Non, 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 chérie. La robe que tu as portée, là, ça ne va pas. Non, 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 chérie. Ta chevelure. Dieu a dit, arrangez vos chevelures comme vous voulez, mais ne ressemblez pas au monde. Ta chevelure, là, tu ressembles au monde ou pas. Paul, frère Branham dit, c'est le seul modèle du vrai serviteur de Dieu. Même si aujourd'hui, Paul, Irénée, Colomban, tout ça sont engloutis dans le prophète Branham. Aujourd'hui, le seul vrai modèle pour nous de serviteur de Dieu, c'est William Branham. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Parlant de Paul, il dit, il a regardé ce qui se passait dans le monde, il est venu à l'église, il a condamné ça à l'église. Ne ressemblez pas aux femmes là, comme elles sont en train de faire dans le monde là. Parce qu'à l'époque de Paul, les cheveux tressés et tout ça, c'était des femmes de la rue. Des femmes qui vivaient mal. On ne pouvait pas retrouver ça dans l'église. Mais aujourd'hui, l'aspect de la femme légère, l'aspect de la femme païenne, la femme de la rue, l'apparence de la femme pécheresse du monde, c'est ça qui remplit nos églises aujourd'hui. Oh, on doit laisser la femme belle. Frère Branham dit, une femme belle, ce n'est pas cette beauté-là hollywoodienne. Une femme belle, selon les prophètes, c'est dans, je crois, les 6 buts de Daniel, de Gabriel à Daniel, si je ne me trompe pas, ou seulement dans la série de 70 semaines, il dit une femme belle, c'est une femme qui peut venir à l'église, s'asseoir, écouter l'évangile. Voici la beauté. Écouter l'évangile et se conformer. Ce n'est pas cette beauté-là du monde, de poudre, de maquillage, des ongles, des bijoux, et des histoires, des strings, et des histoires comme cela. Quel scandale dans le message aujourd'hui!
Quel scandale dans le message aujourd'hui! Où sont les hommes, les serviteurs de Dieu, qui peuvent s'élever avec la parole, avec l'épée tranchante pour frapper? Frère Branham dit frapper, couper, trancher, laisser tomber les copeaux là où ils doivent tomber. Là où ils doivent tomber. Les branches, qu'elles tombent là où elles doivent tomber. Bien-aimés frères et sœurs, Abraham, il dit, quand un homme est appelé comme ça, il doit s'éloigner de ce groupe et s'attacher à un nouveau groupe. Et Abraham était fidèle à la promesse. C'est alors que Dieu a confirmé sa foi en lui donnant le signe qui était le sceau de Dieu, qui était le sceau de l'alliance. C'est quand Abraham est resté strict, frères et sœurs. On ne doit pas laisser son corps aller dans n'importe quelle direction. Tu dois faire un grand combat contre ton propre corps. Parce que les désirs du corps ne sont pas les désirs de l'esprit. Non. Mais Abraham a combattu. Est-ce que vous imaginez un homme de l'âge d'Abraham? Lui-même, il sait dans le secret de son cœur, de son corps, il sait que mon corps est mort. Il sait lui-même que tel que je suis là, je ne peux pas avoir un enfant. Abraham lui-même était conscient. En regardant son propre corps, il savait que non, la vigueur était partie, il n'était plus un homme pour avoir un enfant. C'est vrai, quand je regarde avec les sens, c'est vrai que le corps là, c'est... Mais qu'est-ce que Dieu dit? Dieu dit que c'est par toi que je donnerai un enfant. Abraham oublie son corps, Abraham oublie les déclarations des gens, il oublie tous les sons qu'il pouvait écouter, il prend que ce que Dieu a dit. Malgré ce que je vois dans mon corps, parce que Dieu a dit ça, cet enfant-là viendra par moi. C'est quand Dieu a trouvé Abraham fidèle à la promesse. Maintenant, qu'est-ce que le prophète dit? Pour agréer la foi d'Abraham, Dieu est descendu et lui a donné le signe de la circoncision, qui est le sceau de l'alliance, qui est le sceau de Dieu dont nous parlons ici. Mon frère, ma sœur, c'est ce sceau-là de Dieu qu'Abraham a reçu qui a fait que quand Abraham est mort, à la résurrection, quand Jésus est ressuscité, Abraham est ressuscité avec lui à cause de ce sceau-là de l'alliance. Le sceau de Dieu, le sceau de la circoncision que Dieu lui a, le sceau plutôt de l'alliance que Dieu lui a donné, et lui a donné le signe de la circoncision. Et il dit maintenant, quand Abraham a eu l'enfant, le huitième jour, il l'a circoncis. Isaac a fait la même chose, et ainsi de suite, c'est resté perpétuel comme ça. Le huitième jour, c'est quand Dieu a trouvé Abraham fidèle à la promesse, Abraham strict, combattant contre lui-même, contre ses propres sens, que Dieu est descendu. Maintenant, remarquez, pour agréer la foi d'Abraham, qu'est-ce que Dieu lui a donné? Il lui a imputé ça à justice et lui a donné un signe, le signe de la circoncision. Preuve que Dieu a agréé sa foi, il lui a donné maintenant un signe visible qu'il a agréé sa foi, il lui a donné le signe de la circoncision. C'est ce que nous avons aujourd'hui dans le Nouveau Testament, le sceau de Dieu. Aujourd'hui, la preuve que Dieu a agréé la foi d'Abraham, il lui a donné un signe visible, le signe de la circoncision.
Le sceau de Dieu dont nous parlons, c'est le sceau marque toujours une œuvre achevée. Quand Frère Branham m'explique ça, il montre comment on va faire des conteneurs ou des wagons et tout ça. Il dit, quand vous chargez le conteneur ou le wagon, l'inspecteur ne vient pas, vous lui dites, c'est chargé, il dit, c'est chargé, vous dites oui, il vient, il scelle le conteneur. Non, non, il doit vérifier à l'intérieur. Est-ce que tout est bien placé au point où, quand le train partira, il n'y aura rien qui va tomber pour se casser. Il va vérifier, il voit que tout à l'intérieur est bien placé. Alors, il vient, il scelle le seau. Et il scelle plutôt le conteneur. Quand ce scellé, c'est pour la destination. Même si ça dépasse combien de gares sur le chemin, on n'ouvrira jamais ce wagon-là ou ce conteneur-là jusqu'à destination. C'est comme ça avec le sceau de Dieu. Pour que Dieu puisse mettre son sceau, frère, il doit agréer ta foi. Mais toi, tu dis que tu as le sceau. J'ai déjà le sceau de Dieu, frère. Mais la foi, tu es incapable de vivre par la foi. Tu prêches la foi, mais tu ne vis pas la foi. Tu parles de la foi, mais on ne voit pas les œuvres de la foi dans ta vie. On ne réduit pas la foi à la prière pour les malades. Non, parce que la prière pour les malades, retenez ceci, la guérison est dans le malade. Quand le malade applique la foi, il saisit la guérison, il est guéri. On ne réduit pas la foi à ça, la vie de tous les jours. Où tu ne vas compter que sur Dieu. Tu ne vas compter que sur la parole de Dieu. C'est ça la chose que le système de ce monde essaie de détruire pour rendre la parole de Dieu inefficace. Que les gens ne comptent pas sur Dieu. Frère Branham dit, Dieu veut que vous puissiez dépendre entièrement de lui. Totalement de lui. Mais le système de ce monde vient pour que vous ne puissiez pas dépendre totalement, entièrement de Dieu. Vous enlevez la foi. Or, sans la foi, qui va être agréable à Dieu? Sans la foi, qui va aller dans la présence de Dieu? Sans la foi, qui va aller dans l'enlèvement? On peut prêcher la foi, mais il faut manifester la foi. Les œuvres sont l'expression de la foi. Les œuvres sont la foi manifestée. William Branham nous a prêché ça. Frères et sœurs, c'est quand Dieu voit que cet homme est fidèle à ma parole, cet homme est ferme dans sa foi, que Dieu pourra agréer ta foi à toi. Alors, il va te donner le sceau. C'est ça la chose qui va faire que tu ne puisses pas avoir la marque de la bête. Il n'y a pas une autre façon d'éviter la marque de la bête. L'unique façon, c'est de recevoir le sceau de Dieu. Et le sceau de Dieu vient par là, par la fidélité. Le sceau de Dieu vient quand un homme écoute l'appel de Dieu, se repent sincèrement, et s'éloigne du groupe, c'est-à-dire de la vie qu'il avait avant, des gens qu'il fréquentait avant, du comportement qu'il avait avant, de l'attitude qu'il avait avant. Et il commence à aller avec un nouveau genre de personnes. Frère, je vais vous dire une chose. La circoncision, parce qu'il est question de la circoncision. Il a agréé sa foi, mais il a imputé cela à justice et lui a donné le signe de la circoncision. Frère, en quoi consiste la circoncision? Je ne sais pas où est-ce que j'ai mis ça.
Ok. Frère Branham dit ceci. Dans la condamnation par représentation, paragraphe 13, paragraphe 168, du 13 novembre 60. Suivez-moi très bien. Il dit ceci. Qu'est-ce que signifie le mot circoncision ou le mot circoncire? Excusez-moi. Un frère dans la salle répond. Coupé. Il continue. Étienne a dit 3 points de suspension. Et puis Frère Branham dit, c'est exact. Circoncire veut dire couper. Couper la chair superflue. C'est ça la circoncision. Vous voyez, couper ce qui est superflu. La partie inutile. La circoncision, c'est être coupé. Voilà. Il dit ceci. Or, dans l'Ancien Testament, il n'y avait que le mâle qui pouvait être circoncis. La chair superflue était coupée. Maintenant, c'est ce que le Saint-Esprit fait dans les derniers jours. C'est qu'il retranche les superflus. Il retranche la théologie du monde. Il retranche les doctrines faites de main d'homme. Il retranche toute incrédulité. Il retranche tout. Je m'arrête là. Écoutez ceci. Dieu a imputé, à cause de la foi d'Abraham, la parole de Dieu dit, Dieu lui a imputé sa justice et il lui a donné le signe de la circoncision. Et les enfants devaient être circoncis le 8e jour. Le signe de la circoncision. Et Frère Branham demande, qu'est-ce que signifie circoncire? Quelqu'un dans la salle dit couper. Frère Branham dit, c'est exact. Il continue, il dit, c'est couper la chair superflue. J'explique. Frère, quand on parle de la circoncision, excusez-moi, même si on ne se voit pas, il y a les parents qui sont avec les enfants et tout ça, mais excusez-moi. La circoncision, un petit garçon qui naît vient au monde d'une certaine façon. Mais il y a une partie de la chair sur son corps d'homme qui est superflue. C'est une partie inutile. Et dans la circoncision, qu'est-ce qui se passe? Écoutez-moi très bien, je vais bientôt terminer. On coupe cette partie de la chair qui est superflue parce que c'est une partie de la chair qui ne sert à rien. On coupe cette partie-là et observez l'enfant, ce sont des pleurs, des cris et tout ça. Et puis, on jette cette partie-là de la terre et de la chair. Je crois que là où vous êtes, vous dites « Amen ». Maintenant, écoutez, la suite, c'est quoi? Plus jamais dans la vie de cet enfant-là, on retrouvera cette partie de la chair qu'on a coupée. Ça n'apparaîtra plus. Ce parti, pour toujours, ça a été, je ne sais pas moi, j'étais ou quoi, on ne retrouvera plus jamais, jusqu'à la mort de cet enfant, on ne retrouvera plus jamais la partie de la chair qui a été coupée lors de la circoncision et qui est partie. Vous dites amen à cela, non? Or, Dieu compare la circoncision là à ce qui se passe pour le Saint-Esprit. Frère, nous sommes venus dans ce monde, il dit, il y a des théologies du monde qui étaient dans notre vie, des doctrines d'hommes, il y a le comportement, la vie, et on peut étendre ça sur un spectre large. Les mauvaises pensées, l'animosité, la haine, l'esprit de vengeance, tout ça, on avait tout ça dans nos vies. Maintenant, il y a l'appel de Dieu qui vient comme l'appel d'Abraham.
on se repent. Après, qu'est-ce qui se passe? La preuve que Dieu a agréé la foi d'un homme. L'homme qui obéit, c'est l'obéissance totale à ce message. La fidélité absolue, l'intransigeance. Quand il s'agit de la parole de Dieu, quand Dieu regarde ça, il dit, ah, cet homme, il est comme moi là. Alors qu'est-ce que je fais? La preuve que j'ai agréé sa foi, je vais lui donner le sceau de Dieu. C'est une circoncision spirituelle qui va retrancher, couper cet homme de tous les liens du monde qui étaient dans sa vie. Tous les liens du péché qui étaient dans sa vie. Tous les attachements à ce qui n'est pas la parole de Dieu. Tous ses désirs qui étaient dans sa vie, de contraire à la parole de Dieu. Il faut couper. Couper des liens. Couper ses attachements. Couper ces choses-là. Quand tout est coupé comme cela. Voilà le travail que le Saint-Esprit fait. La circoncision de l'âme. Maintenant, remarquez une chose. On n'a plus jamais retrouvé la partie du corps, de la chair, je voulais dire, sur l'enfant qui a été circoncis. Tous nous sommes d'accord. Et qu'est-ce qui se passe dans la circoncision spirituelle? Si réellement tu as reçu cette circoncision-là, Dieu t'a marqué de ce sceau-là. L'unique façon d'éviter la marque de la bête, pour ne pas boire le vin de la colère de Dieu, à l'endroit des pécheurs, il te donne le sceau de Dieu, la preuve qu'il a agréé ta foi. Frère, on ne peut plus retrouver les mêmes habitudes, la même vie, les mêmes pensées, les mêmes comportements, les mêmes sauts d'humeur, les mêmes états d'âme, les mêmes actions et réactions après la circoncision. C'est-à-dire, ce qui était en amont, la circoncision arrive, en aval, on ne retrouve plus la partie de la chair superflue, on ne peut pas retrouver en aval la même vie que tu avais dans le passé. Impossible. Maintenant, ma soeur, mon frère, toi qui as témoigné partout, moi j'ai reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, ce n'est pas un don. Le Saint-Esprit, ce n'est pas le fait de tressaillir de joie, de courir, de faire des galipettes, de donner des messages prophétiques, de voir des visions qui s'accomplissent. Non! Si réellement Dieu a créé ta foi, ta fidélité au message, ton obéissance à ce message, et qu'il t'a donné ce sceau de la circoncision en aval, c'est-à-dire, après, on ne peut plus retrouver la même vie, les mêmes habitudes. Si ces choses existent encore, donc la partie du corps. Tu es sorti du cabinet du médecin en train de pleurer. Mais on regarde. Après, on retrouve la même partie du corps avant la circoncision. C'est la preuve que l'enfant n'a pas été circoncis. On retrouve la même vie. C'est la preuve que, sœur, frère, tu n'as pas été scellé du sceau de Dieu. Ça, c'est clair. Oh, l'évidence du Saint-Esprit. Prenez seulement l'image de la circoncision. Vous comprenez tout. Frère Branham dit, même si celui qui a le Saint-Esprit peut avoir de haut et de bas, c'est la vérité, il va reparer. Mais ici, il est question de la vie du passé qu'on ne peut plus retrouver dans le présent. Frère Branham dit que le Saint-Esprit retranche toute la théologie du monde. Il retranche les doctrines faites de main d'homme. Il retranche
l'incrédulité et tout ce que tu avais quand tu étais dans le monde. Voilà. Voilà ce que la circoncision... La circoncision aujourd'hui, c'est que la circoncision produit aujourd'hui dans les gens, le sceau de Dieu. Le sceau de Dieu, c'est ça la chose qui va te protéger contre la marque de la bête. C'est le sceau de Dieu qui fera que tu sois une personne exceptionnelle pour ne pas tourner avec le système du monde ou le système dénominationnel. Que tu sois un oiseau spécial, une personne que les gens ne comprennent pas. Que ce soit au travail, que ce soit dans ce monde, dans la vie comme ça, que tu sois une personne que les gens ne comprennent pas. C'est le sceau de Dieu. En dehors de ça, frère, si pendant que tout va bien, il y a encore la paix dans ce monde, toi tu vis dans le compromis avec ton Saint-Esprit, imagine quand les choses vont devenir dures. Parce que c'est en train de devenir dur. Qu'est-ce que tu vas faire? Si en temps de paix, tu as vécu dans le compromis, alors que les choses vont devenir dures, qu'est-ce que tu vas faire? Voilà pourquoi c'est le temps de réveil. Réveille-toi. Si tu n'as pas le vrai Saint-Esprit, Frère Branham dit le vrai Saint-Esprit est devenu rare. Si tu n'as pas le vrai Saint-Esprit, lève-toi, mon frère. Condamne l'esprit que tu as témoigné partout. Oh, je l'ai reçu, frère. Je l'ai reçu, ma soeur. Lève-toi, sincèrement. Dis-toi, je refuse cet esprit que j'ai. Parce que ce n'est pas le vrai. Branham dit, ne prenez pas des substituts. Il y a des choses authentiques que Dieu vous a réservées. Lève-toi, condamne ce que tu as. La gentillesse. Mais dans le monde, il y a des hommes gentils. Il y a des femmes gentilles. Ce n'est pas ça. Non, moi, je donne facilement. Dans le monde, il y a des gens qui font ça. Il y a Abbé Pierre. Dans le monde, ici, en France, Abbé Pierre. Il y a des secours catholiques qui donnent à manger aux pauvres. Il y a beaucoup de gens. L'autre là, c'est qui, j'ai oublié son nom, le secours populaire qui donne à manger aux gens. Ce n'est pas ça, la preuve du Saint-Esprit. Non! Ce n'est pas ça l'évidence. Non! Croire le message. Et Frère Branham dit, on ne peut pas croire avant d'être totalement dans le message. Et que le message sort totalement en toi. C'est-à-dire que tu deviens un avec le message. Une même plante avec le message. Et nous retournons quoi à la prédication d'avant-hier. Le temps de l'union. Aujourd'hui, l'épouse doit s'unir à la parole. Devenir un avec la parole. Le temps est le signe de l'union. Devenir un avec le message. C'est ça, croire le message. C'est ça, croire le prophète. C'est vivre selon l'enseignement du prophète. Manifester l'enseignement du prophète. Les œuvres que le prophète enseigne et montre dans la parole. Au cas contraire, tu les dis, mais tu ne les crois pas. Parce que tu ne les manifestes pas. Les œuvres sont l'expression de la foi. Et je vais lire quelques deux citation avant de terminer sur le sceau de Dieu. Frère Branham dit ceci, il dit que le sceau a deux côtés. Écoutez-moi, Église. Nous savons que ce qui était l'enseignement dénominationnel hier, aujourd'hui, il y a des frères, il y a des sœurs qui proclame aujourd'hui le même enseignement, même des serviteurs de Dieu. Dieu voit les cœurs, frère. Dieu connaît mon cœur, frère. Laissez-moi vous dire ceci. Frère Branham dit, le sceau de Dieu a deux côtés. Dans le naturel,
Il dit ceci. J'ai laissé mon sceau. Je voulais prendre mon sceau là-bas pour montrer ça. Dans le naturel, quand tu prends un papier, tu mets un sceau. Pouf, tu mets un sceau. Tu vas regarder là, tu vois le sceau que tu as mis. Tu tournes le papier, tu regardes de l'autre côté, tu vois le même sceau. Dans le naturel, c'est comme ça. Quand tu mets un sceau, tu le vois là, et puis tu tournes ici, tu vois le même sceau là, de l'autre côté. Et parce qu'il s'agit ici du sceau de Dieu, ce sceau a deux côtés. À l'intérieur, Dieu voit. Mais les hommes qui te regardent, les hommes qui te fréquentent, les hommes qui t'écoutent, les hommes qui vivent avec toi, doivent voir les œuvres manifestant qu'à l'intérieur, Dieu t'a visité. Tu as été scellé. Au cas contraire, il y a un problème avec le sceau que toi tu as. Parce que le vrai sceau, écoutons ce que le prophète nous dit ici. Je vais lire 2 ou 3 et puis on va arrêter. Là où je pense, les pentecôtistes ont failli. Paragraphe 64. Frère Branham dit ceci. Avez-vous déjà vu le sceau, un sceau? Il pose la question. Un sceau à poser sur un morceau de papier? Il pose la question, avez-vous déjà vu un sceau à poser sur un morceau de papier? Il dit, c'est scellé des deux côtés. Là où je pense que les pentecôtistes ont failli, paragraphe 64. C'est scellé des deux côtés, au recto et au verso. Il continue. Et quand vous marchez par votre vue et par ce que vous laissez derrière vous, les gens reconnaissent que vous êtes fils et fille de Dieu. Lorsque vous êtes réellement scellé par le Saint-Esprit, l'amour divin vous accompagne. Frère Branham dit, quand vous marchez par ce que vous laissez derrière vous, les traces que vous laissez derrière vous, le témoignage que vous laissez derrière vous, les gens reconnaissent que vous êtes fils ou fille de Dieu, que vous avez été réellement scellé. Il y a les deux côtés du sceau. À l'intérieur, c'est Dieu qui voit. À l'extérieur, quand vous marchez, votre témoignage reste derrière. Prouvez réellement que vous êtes fils ou fille de Dieu. Vous avez déjà été scellé. Je vais lire pourquoi la petite Bethléem, il dit, Rahab avait placé le cordon de fil cramoisi à l'extérieur. Il dit, c'est ainsi que le sang doit être exposé publiquement, suspendu au mur extérieur pour montrer que quelque chose s'est passé à l'intérieur. Il en est de même pour le véritable croyant en Christ ce matin. À l'extérieur se trouve bien en vue le sang du Seigneur Jésus-Christ, ce qui démontre que quelque chose s'est passé à l'intérieur. À l'extérieur, il y a une vie qui doit suivre la personne. Il y a un témoignage qui doit accompagner la personne, bien-aimés frères et sœurs. Ne dites pas, je m'en fous de vous, dites ce que vous voulez, Dieu connaît mon cœur. Non, je crois que j'ai donné 2 témoignages, j'en ai encore ici beaucoup. Les 2 suffisent, il faut la déposition de 2 ou de 3 témoins, j'ai donné 2, ça suffit. Il faut quand tu marches, le témoignage qui reste derrière prouve réellement que le sceau a été appliqué dans ton cœur. Mon frère, ma soeur, le sceau de Dieu, c'est ça l'unique chose qui va t'épargner de la marque de la bête. T'épargner de la colère de Dieu qui va bientôt frapper.
C'est le sceau de Dieu qui va réellement prouver d'où tu viens, tes origines. Le sceau sur Caïn a prouvé qu'il était la semence du serpent. Ça, c'était le sceau du diable. Le sceau de l'antichrist, la marque de Satan, a prouvé d'où la provenance de Caïn. Le sceau de Dieu va montrer les origines, ta vraie identité, ta provenance. Ce n'est pas le fait d'aller à l'église, parce que tout le monde va. La Bible dit, Satan va aussi à l'église. Il croit et tremble. Mais c'est le sceau qui va faire la différence entre la semence de Dieu et la semence du serpent. Si tu veux éviter la marque de la bête, mon frère, ma soeur, à partir d'aujourd'hui, lève-toi. Va en guerre contre l'esprit qui est en toi. Va en guerre contre les démons qui te troublent. Contre cette atmosphère qui t'environne. Contre la vie que tu es en train de vivre. Qui fait que tu sois toujours attaché à ce groupe-là alors que tu as déjà cru la parole de Dieu. Frère Branham dit, Abraham s'est éloigné. Il en est ainsi de chaque croyant qui vient. Il doit s'éloigner de l'ancien groupe, s'attacher au nouveau groupe des croyants qui vivent, qui marchent selon le message du temps de la fin. L'unique chose qui va t'épargner de la marque de l'antichrist, antiparole, marque de Satan, marque de la bête. Pour éviter ça, reçois le sceau de Dieu. Et c'est un sceau que Dieu ne donne pas. Dieu ne donne pas ça comme ça à la légèreté, parce que quelqu'un a pris le baptême, parce qu'il commence à chanter. Les gens viennent à l'église, ils sont là pressés à aller chanter. Frère Branham dit, tu n'as pas le droit de servir Dieu si tu n'as pas été oint d'huile. C'est le Saint-Esprit. Dans l'Ancien Testament, il fallait l'onction d'huile. Aujourd'hui, l'onction d'huile, c'est le sceau de Dieu sur le Saint-Esprit. Des gens sont pressés à aller chercher, aller à l'Internet, qu'on me connaisse, je chante, je fais ceci. Ça va servir à quoi tout ça? Vous devez, aujourd'hui, avoir une seule préoccupation, le sceau de Dieu. C'est ça qui va faire que vous puissiez être l'image de Christ. C'est comme cela que vous allez vous identifier à Christ. C'est comme cela que vous allez produire les œuvres de Christ. C'est par le sceau de Dieu que vous allez éviter la marque de la bête. Levez-vous à partir d'aujourd'hui, cherchez le sceau de Dieu. Le dimanche, nous prierons pour ça. À partir de demain, soyez dans la consécration. Priez Dieu. Repentez-vous. Si vous vous rendez compte qu'il y a des choses à mettre en ordre avec les gens, dès ce soir, travaillez pour ça. Téléphonez si vous pouvez. Écrivez si vous pouvez. Faites ce que vous pouvez pour régler la chose avec la personne, afin d'être prêt quand nous prierons. Que Dieu puisse sceller votre âme dans le royaume. Que le Seigneur vous bénisse. Tout dépend de l'urgence que vous avez dans votre cœur. Frère Branham dit, quand vous vous rendez compte que vous n'avez pas cette chose-là, vous n'allez pas dormir. Vous n'aurez pas faim. Votre préoccupation, toute votre attention, ce ne sont pas les années dans la parole, non! Même un service dans la parole, non. C'est le fait que tu sois sincère avec toi-même. Après avoir écouté la parole, que le Seigneur vous bénisse. Prions le Seigneur. Lève-nous. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions et bénissons ton Saint puissant et grand nom pour ton amour pour nous, Seigneur. Écoutez tes oracles comme nous venons de les écouter.
ça relève de l'amour divin. Nous avons écouté, Seigneur, arrose ça de ton onction dans nos cœurs, que nous puissions nous mettre au travail, que nos âmes travaillent maintenant, Seigneur, pour une véritable expérience avec toi, avec ce véritable sceau qui va produire les deux côtés, à l'intérieur comme à l'extérieur, pour faire que partout, désormais, où nous passerons, le témoignage confirme que nous sommes les images de Christ. Exhorte cette prière pour l'ensemble de tes enfants qui écoutent et accorde-nous, ô Dieu, que cette démarche puisse aboutir pour la gloire de ton nom. Nous te le prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, on vous donnera le programme, ou plutôt je vous le donne rapidement. Ça dépend de chacun, comment il veut le faire. Nettoyez votre maison, appliquez le signe, jetez dehors ce que vous devez, nettoyez votre mémoire, nettoyez vos pensées, votre subconscient, votre conscience, nettoyez votre âme par la repentance. Purgez votre âme, purgez votre vie dans la présence de Dieu. Soyez en prière, repentez-vous sincèrement. Dieu va faire certainement quelque chose. Si cela dépend de vous, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Et comprenez la journée de demain à partir de cette nuit, comme vous voulez, jusqu'à la prière dimanche. Mais spécialement, à 9h demain, à midi et à 15h, qu'il y ait des prières intenses pour quiconque veut vraiment cette expérience avec Dieu le dimanche. 9h, midi, 15h, prières intenses pour ça. Mais après, ne vous limitez pas à ça. Prenez la journée de demain pour rechercher la face du Seigneur afin que le dimanche soit un jour spécial pour vous. Le dimanche, aujourd'hui, parlant du sceau de Dieu, je parlais du baptême du Saint-Esprit. Le dimanche, je parlerai du Saint-Esprit lui-même. Shalom. Fini, aucun buisson sauva les pécheurs comme moi. J'étais perdu, je suis trouvé. Maintenant, je vois la fête pour moi. Grâce infinie, oh, quelle